Le ransomware est un type de logiciel malveillant utilisé par les cybercriminels pour extorquer de l'argent aux internautes. Sorte de hold-up sur Internet, le ransomware bloque l'accès aux données contenues dans l'ordinateur de la victime en cryptant les fichiers présents sur le disque dur et même les disques externes et clés USB s'ils sont connectés à l'ordinateur au moment de l'attaque. Les pirates établissent une procédure de paiement de rançon expliquant comment récupérer la clé de déchiffrement. Sans cette clé, les fichiers resteront illisibles. Le paiement de la rançon s'effectue généralement en Bitcoin, monnaie intraçable. Cela permet aux pirates de rester introuvables et anonymes. En février 2016, un hôpital de Los Angeles a ainsi payé 17 000 $ en Bitcoins à des hackers qui avaient pris le contrôle de ses ordinateurs pendant plus d'une semaine. Le ransomware pénètre généralement dans un ordinateur à l'ouverture d'une pièce jointe infectée ou quand un utilisateur clique sur un lien hypertexte douteux dans un email ou en naviguant sur un site piraté. Pour se protéger d'un ransomware comme de tout autre malware, il est conseillé de faire preuve de vigilance en ouvrant les pièces jointes des emails et des liens hypertextes, d'éviter les sites internet douteux, de ne jamais donner des informations personnelles et financières à un site dont la sécurité est douteuse ou à une personne inconnue sans vérifier son identité, d'utiliser des pare-feux et mettre à jour ses antivirus, de choisir des mots de passe longs et difficiles à deviner, une phrase que l'on peut retenir facilement par exemple, de sauvegarder des données importantes sur des supports externes qui doivent rester déconnectés de l'ordinateur.